Allez, il va arriver devant vous, Gwendal Starr. Et le voici, le voilà, Gwendal Starr. Vous venez de voir l'un de ses tout proches parents, Zurekin, gagner l'Istud à Auteuil il y a maintenant une petite année. Et puis, évidemment, Gwendal Starr, il n'a pas couru, mais rentré étalon, un peu comme un Zaskar tout à l'heure, sur la foi d'un pédigré exceptionnel, puisque sa mère n'est autre que la matrone de l'élevage Milavo, l'élevage d'Ainay, Gwendal, la mère de la gagnante du Ferdinand Dufort, Fleur d'Ainay, mais aussi de Flower des Champs, Cristal d'Ainay, Étoile d'Ainay, c'est la souche de Indulgente qu'on a vu gagner hier à Pau pour Erwan Graal. Donc voilà une famille active et au meilleur niveau en obstacle. Ce Gwendal Starr était à l'entraînement chez Arnaud Chaillé-Chaillé, qui en disait beaucoup de bien. Malheureusement, il a fallu choisir entre ses attributs et sa carrière de course, et on a choisi ses attributs parce que c'est le dernier né de Gwendal et un fils d'un certain Cholokov, étalon à ses côtés en obstacle, qui a donné Chichkin, Esmondo, qui a été exporté en Irlande et utilisé par les meilleurs éleveurs français depuis lors. Un modèle exceptionnel, 1,70 m pour Gwendal Starr, qui est pourtant un tout jeune cheval, hein, il vient juste d'avoir 6 ans. Il va avoir ses premiers yearlings, en tout cas sa première vraie génération de yearlings en 2023 aura des étincelles. Et il a saillé des très bonnes juments l'an dernier, notamment une sœur de Duc des Genièvres, hein, qui est gagnante groupe 1 au festival de Cheltenham. Un fils de Cholokov, donc c'est Sadler's Wells sur Gwendal, qui est une fille de Cadoudal. Des croisements exceptionnels pour l'obstacle, un modèle exceptionnel et des premiers foals qui donnent entière satisfaction, soutenu par la famille Milavo et installé chez Olivia Salens au Hara des Étincelles dans le 14, hein, c'est ça, le Calvados. Tout à fait. Vous y serez bien reçus. Voilà pour Gwendal Starr, proposé à 1 500 €, mais avec une remise à 1 300 € pour les juments gagnantes. Et si vous prenez plusieurs saillies. Donc n'hésitez pas.